Alors qu'est-ce qu'évoque Dompanos pour toi? Dompanos, le fameux Dompanos. Dompanos, c'est un milliardaire américain qui un jour s'est promené dans notre belle région et a découvert le lac du Salagou. Cette histoire se passe en 2000, tu vois, ça date un peu. Et il tombe fou amoureux du lac. Et cet américain milliardaire, il a deux passions dans la vie. La première, c'est la course automobile. Et la seconde, c'est le golf. Alors, le golf, j'étais un peu sceptique parce qu'avec le vent de tasse qu'il y a, à mon avis, il y aurait eu du sport. Un jour, je bois un café en 2000, je suis dans une école d'audiovisuel. Et bon, en buvant mon café, j'ouvre Midi Libre, comme je fais régulièrement, et je tombe sur cet article. Un Américain projette d'ouvrir un circuit automobile sur le site de la COGEMA, qui est un site d'exploitation de minerais d'uranium à la base, qui a fermé, et qui est donc en friche, ce qu'on peut appeler une friche industrielle. Et il voyait déjà implanter un golf avec les infrastructures qui vont avec. Les infrastructures qui vont avec, c'était pourquoi pas des hôtels de luxe, pourquoi pas de l'hébergement, de la restauration, enfin bon. Autour du lac, tout ça autour du lac. Moi au début, j'ai cru que c'était un canular, honnêtement. Et puis, en allant sur internet, déjà en 2000, je m'aperçois qu'effectivement, il y a bien Dompanos et que le projet, pas si farfelu, qu'il a effectivement bien pris contact avec la Fédération des sports automobiles et que son projet est tout à fait sérieux. Il a décidé de mettre des moyens. Alors tout de suite, évidemment, une exploitation comme ça, pour les élus, c'était synonyme d'emploi. On parlait à l'époque quand même de 600 emplois. 600 emplois, c'est pas mal. Hein. C'est pour le secteur qui, effectivement, comme partout, hein, connaît la crise, ça a fait rêver quelques personnes. Quoi. Notamment les demandeurs d'emploi, quoi, les premiers concernés. Alors moi, je me suis intéressé un peu à ce sujet. J'avais un film à faire. Et je l'ai intitulé Rumeur. Rumeur parce qu'au début, je n'y ai pas cru. La rumeur était qu'un riche milliardaire, comme ça aurait pu être un riche, si tu veux, un riche du Qatar, là c'est un Texan, c'était le milliardaire Texan, s'installait autour du lac et voulait une exploitation, avait sa vision du lac quand il était tombé fou amoureux. N'étant pas journaliste, j'ai voulu le traiter en docu. Tu vois, un documentaire avec une vision un peu poétique. Avec, ça m'a permis d'aller sur le site de la COGEMA, ça m'a permis d'interviewer un petit peu les gens. Et comme je venais d'une formation d'agent de développement local, ça me permettait un petit peu de confronter les points de vue. Pas pour les confronter de façon antinomique, hein. Non, pour les confronter, pour faire avancer. Parce que, il me semble, moi, mais c'est un avis subjectif, que le lac a toujours été un enjeu. Un enjeu, et à force d'être un enjeu, pour les communes qui sont environnantes autour, hein, Lodève ou Clermont, pour ne pas les citer, on ne sait pas encore comment l'utiliser, l'appréhender. Alors, il y aura les partisans de le lac, il faut le laisser tel quel. On n'y touche pas parce que c'est un symbole d'un certain tourisme d'hiver. Et puis, il y a d'autres qui seraient pour plus une exploitation un peu plus industrielle, entre guillemets. Une exploitation un peu plus touristique, de façon plus industrielle. Quelle est la solution? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a une bonne? Est-ce qu'il y en a une mauvaise? Ce que je sais, c'est que ce lac, en ce moment, est un petit peu malade. Ce que je sais aussi, c'est que ce lac, il est à la base, il est artificiel, il est créé par l'homme. Moi, personnellement, j'ai pas d'avis. Mon impression, c'est que on peut pas empêcher une certaine évolution. Depuis 2009, il paraîtrait qu'il y a une algue dans le lac qui se propage, qui est en train de tuer la flore et la faune qui n'était pas présente, hein, il y a 40 ans. Hein. La flore et la faune du lac, le lac n'existait pas il y a 40 ans. Donc,
et qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens de lutter contre cette attaque parasitaire, hein, puisque bon, ça demanderait énormément d'argent et les communes n'ont pas cet argent-là. Donc il me semble, moi, que il va falloir faire des choix à un moment donné ou à un autre. Tu sais, le lac c'est un petit peu comme l'autoroute, quoi. L'autoroute qui s'est construite a transformé pas mal, hein, la région. On est passé du ce qu'on peut appeler du néo-ruralisme, presque du périurbain. C'est pas pareil. Les attentes des gens qui s'installaient à l'époque, qui étaient des néo-ruraux, qui voulaient retrouver une campagne, qui quittaient la ville pour avoir le plaisir de la campagne, n'est pas la même attente que les périurbains qui vivent, travaillent en ville et vont s'installer à la campagne pour d'autres raisons. Après périurbain, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a la banlieue, quoi. On n'est pas loin, hein. Alors, la population augmente. Les voies de communication augmentent, tant mieux, hein, c'est bien. Mais les infrastructures, est-ce qu'elles suivent? Ça, c'est toujours pareil, hein. Est-ce qu'on a préparé ça? Est-ce qu'on a vraiment un plan? Est-ce qu'il y a des choses qui se font? Certainement, hein, je vois qu'il y a quand même des infrastructures qui sont là. De toute façon, c'est à elles de décider, hein. Elles ont été élues, elles ont un certain nombre de moyens pour ça. Le citoyen, lui, malheureusement, j'ai l'impression que dans la plupart du temps, il subit quand même. Alors, il y a une initiative là qui est prise en ce moment, une initiative, pour moi, je la trouve très plaisante, une sorte de participation à la citoyenneté par un site internet sur un projet... projet sur le lac qui serait de le classifier en grand site. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire, je me suis renseigné un petit peu en allant sur internet sur le site. Ça me semble un peu compliqué, mais en tout cas l'initiative est pas mauvaise, hein, de demander l'avis aux citoyens s'ils ont un avis ou s'ils peuvent faire des propositions sur le devenir de ce lac. Moi, je trouve que l'initiative est bonne. Après, ce que ça va donner, ce que ça va déboucher sur quelque chose, ça, il y a des points d'interrogation. S'il s'agit uniquement de demander l'avis, de en tenir compte, là, évidemment, ça ne sert à rien.